Vous êtes comme ça, Tania Maude, un site de beauté du bien-être. C'est toi qui offre une maison blanche. Alors, oui. Nous sommes au Carrefour. Maison blanche. Carrefour, maison blanche. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Quand vous venez de l'autre côté, c'est Carrefour et tout. C'est ça, non? Carrefour et tout. Et ici, c'est Carrefour et tout. Et vous allez voir Tania Maude. Tania Maude. Voilà. Papa, à moto. Oui, Tania Maude offre comme ça une formation de 6 mois à cette demoiselle. Oui, une formation en coiffure et en onglerie. Et en plus de cela, elle a droit à un salaire de 50 000 francs tous les mois pour sa ration. Bon, l'histoire de Tadanda a touché la promotrice de Tania Maude, qui est une dame de cœur aussi, qui a le cœur que l'ambassadeur des causes sociales a. Et elle a vu le direct depuis Paris, elle m'a appelé, parce que cette fille que vous voyez, elle s'appelle Tadanda, son petit nom au quartier, quoi. Elle a perdu sa mère à l'âge de 11 ans, son père l'a abandonnée, et maintenant elle vit dans la maison familiale de maman. Et nous qui avons vécu comme ça, parce que ma mère aussi est morte, j'avais 7 ans, mon père n'avait jamais travaillé, donc il fallait que j'habite chez les oncles, les tantes, les amis. Donc j'étais esclave dans beaucoup de familles. Donc j'imagine un peu ce qu'elle endure, ce qu'elle traverse et tout et tout. Donc, elle quittait tous les matins, elle allait travailler au chantier. Elle portait les parpaings, elle creusait le sol. Et ça, c'est pas le travail d'une femme. Parce qu'une femme, si c'est pas le restaurant, elle doit coiffer. Bref, elle doit faire le travail des femmes. Et pour cela, la ténatrice de Tania Maude a été touchée. Et elle m'a dit, Longuet, je lui offre 6 mois de formation gratuite. Donc elle ne paye pas. 6 mois de formation gratuite, coiffure, onglerie. Même si tu vas quand même d'autres, hein. Tu vois. Et pour qu'elle ne marche pas à pied, parce qu'elle habite Bondy, venir en formation à Bonham Sadi, je lui donne 50 000 chaque mois. Ça, ce n'est pas donné. Les Camerounais comme ça sont rares. Applaudissons pour la terre. Les Camerounais sont comme ça. On a tout peu plus. Les Camerounais comme ça, on a tout peu plus. Alors, Tania Maude a composé d'une grande salle de sport. Vous pouvez même aussi jouer pour les anniversaires. Hein? Oui. Attends, ne filmez pas les gens là. Bonjour. Tania Maude est composée d'une grande salle de sport. Voilà. Et là maintenant. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Tania Maude est composée d'abord d'une salle de sport, d'une petite boutique où vous trouvez les vêtements qui viennent de Paris. Hein. Ça, quand vous achetez un vêtement ici, vous êtes sûr que c'est le bon. Sac à main, du bon parfum. Hein, du bon parfum pour bien sentir. Je sens que moi-même, je vais... Voilà. Tania Maude, là c'est le salon du parfum. Vous avez le salon du parfum homme. Là, vous avez le salon de coiffure femme, là, et onglerie, avec des belles dames qui vous s'occupent de vous, hein. Ils sont là pour vous soigner. Hein. Et maintenant, de ce côté, je crois qu'il y a déjà sauna. Ici c'est d'abord
C'est du cul magnifique. C'est du cul ici là. C'est ça, non? C'est ça. Moi, je maîtrise pas tous les trucs là. Là, c'est la pellicule. Pellicule ici. Mm-hmm. Et de ce côté, le massage. Moi, le massage ici, on le regarde bien. Voilà, massage. Moi, j'adore le massage, franchement. J'adore quand on me masse. Et j'aime choisir ma masseuse surtout. Sona. Voilà, donc dans la salle de massage, il y a la salle de bain. Vous arrivez d'abord, vous vous déshabillez, vous allez vous prenez une douche, vous enlevez les odeurs sur vous, et vous vous allongez, on vous masse. Maintenant, si vous voulez un peu de sauna, c'est le sauna aussi là, on vous fait un peu de sauna. Et le gommage corporel. Le gommage corporel. Et ici, c'est le soin des visages. Soin des visages, ici. Waouh! Non, c'est le soin du visage et la bande de thérapie. Voilà. Il y a tout. Au Carrefour Maison Blanche. Carrefour Maison Blanche, mon ami Salim. Carrefour Maison Blanche, mon ami Salim. Il faut bien expliquer. Avant Cheval Blanc. Le Carrefour qui est juste avant Cheval Blanc qui était brûlé là. Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Voilà. Donc, quand elle a. Tu es béni. Regarde les gens avec qui tu vas travailler. Alors que à Maudit là-bas, les gens te traitaient de folle. Quand tu passais, on te dit que oh, regardez la folle là. Hein? Hein? Qui te crie? Qui te crie? Que peut le peu? Que peut le peu? Dans une bataille ensanglantée. Hein? Quand tu n'es pas mort, tant d'adam. Moi, j'étais comme toi, tu peux pas croire. Voilà, quand ça t'allait, je dis quelque chose. Parce que les bactéries, on a guéri. Chaque matin, par terre, on a guéri. On me débrouille, quoi, avoir le quoi manger, le quoi mettre dans la bouche. Il y a le volume là-bas, viens ici, on le fait. Pendant que les gens passent derrière. Voilà. Alors, tu dis que. Je vais chaque matin pour aller me battre à mon adhéré, pour aller péter le manger ou avoir que je suis dans les poches, moi peut péter sur les piments ou les habits. Péter, franchement, si péter n'est pas sain, les poches pour le marché, je ne peux pas m'en sortir. Je vais battre moi seul. Et j'ai un frère, c'est le Bouya à Sanaga, bien sûr, une cuisine. En fait, c'est ma soeur, on a gagné ensemble. Elle me s'est mise à l'escalier en 2009. Et elle qui prenait soin de nous. Elle me s'y est, c'est bas. Maintenant, c'est debout, elle a trois enfants, elle vit avec un homme. Moi, je suis, moi, je n'ai pas encore le chat parce que le Seigneur est avec moi. Parce que les hommes sont compliqués. Tu vas t'intéresser, après, tu vas t'enseigner, tu vas t'abandonner. Et pour faire être dans sa vie et dans ma route. Je ne sais pas que je ne sais pas comment, c'est que j'ai grandi avec les hommes, mais elle m'a habitué à traverser là dans le temps. Et je remercie tout le monde qui pourrait enseigner moi, qui m'aide. Je me devais un peu en France parce que ce n'est pas bien. Voilà, j'étais pas à l'école, normalement, qu'il faut. Je suis jamais décédé. Moi, je peux se dire. En fait, bon, je remercie tout le monde qui sont en train de m'aider dans le monde entier, en étranger, au Cameroun. S'il vous plaît, aidez-moi, aider sur ma famille, pardon. Au fait, ta nana ne parle pas fort. Parce qu'elle a des problèmes dedans. Et moi, j'ai déjà contacté le docteur Djoko, qui est le directeur de l'hôpital de Coton, le plus grand dentiste de Douala, le plus jeune. Bon, c'est un jeune, et comme il est dans la jet set, il boit le champagne, il fume le cigare, il est avec nous. Hein? Donc, j'ai appelé docteur Djoko, je lui ai dit, il y a un cas social. Tu dois t'occuper de cette dent. Tu dois lui refaire sa dentition. Donc, sache que d'ici 2 mois, tu vas parler comme ça, en ouvrant, tu vois, avec une belle. Moi, j'ai vu les mannequins, une télé-réalité où les Américains arrachaient toute la dentition des mannequins pour leur replacer les dents. Ah oui! Ah oui, il y a du mec. On arrachait tout. On te voit, tu es mannequin, tu vas dire, oh, tu refais ta dentition.
Mais les blancs sont habitués avec ça. Hein. Refaire le nez, refaire les seins, refaire le ventre, refaire tout, même la tête. Les blancs, en Europe, si tu as l'argent, tu ne fais pas ça. C'est que tu es malheureux. Tous ceux qui ont l'argent en Europe font comment on appelle la cosa, la chirurgie. La chirurgie, voilà. Maintenant, beaucoup vont où c'est moins cher, au Maroc, en Tunisie, en Turquie. Toi, donc toi de là, moi je te jure, tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni, pourquoi? Ah, mais tu ne vas pas loin pour le volume. Parce que si tu, si tu étais un enfant maudit, on pourrait faire le direct comme ça, ça ne donne rien, non? Hein? Mais regarde que tu as les gens qui envoient l'argent. Dans ta caisse déjà là-bas à la maison, tu as 250 000 que les gens ont envoyé. Et d'autres gens continuent à envoyer. Voilà une dame qui te prend, qui te dit qu'elle va te former pendant 6 mois. Genre, en te donnant 50 000 tous les mois. C'est-à-dire que tu es un enfant béni, mais le temps de Dieu n'était pas arrivé. Maintenant, comme le temps de Dieu est donc arrivé, c'est là où les gens vont donc voir. Ça va péter. Qui est tant d'andam. Hein? Que la fille qu'on disait qu'elle est folle là. Maintenant, la voici. Quand tu vas passer au taxi, on va dire, hey, et quand bien que ce matin, tu n'étais pas comme ça. Hein? Ce matin, tu n'étais pas comme ça, non? J'étais amené, j'ai seulement appelé. Moi, c'est le coup de fil. Hein? Moi, c'est le coup de fil. J'ai appelé à Damouche au plutôt. Docteur, docteur de vêtements, tu dois soigner cet enfant avec les vêtements qui chassent au palais. Tu as vu, il a changé tout. Il a changé tout. On est allé chez un autre monsieur qui t'a donné 5 paires de chaussures. Hein? Avec un sac à main. Attends, il t'a donné 50 000 encore. Il a dit, tu as 5 articles à choisir. Tu veux encore quoi, nanana? Tu es béni. Tu es béni. C'est que Dieu avait des choses à faire avec toi. Et c'est pour ça qu'il te faisait passer par où tu es passé là. Qu'il t'a mis à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve parce qu'il a des choses qu'il doit faire avec toi. Maintenant, si tu es faible, tu lâches. Tu pouvais commencer à fumer la drogue. Tu pouvais commencer à boire la bière. Mais, quand tu as montré à Dieu que Seigneur, je veux travailler, tu te lèves et tu vas vendre les jus à mon Amérique. Tu te lèves, tu vas travailler au chantier. Je dis que l'enfant, s'il veut vraiment s'en sortir dans la vie. Elle m'a dit quelque chose. Je vais réussir et aider mon frère qui dort à Sanaga depuis 7 ans. Ah. Tu vois, j'ai donc compris que hey, la fille, si elle est intelligente, maintenant, tu sais, mon père n'a même pas laissé une chambre. Moi, je chantais dans les cabarets, je dormais chez les amis. Je dors ici, ça c'est 4 hommes de chasse. Je dors là-bas, ça c'est 4 hommes de chasse. J'ai habité au moins dans 4 maisons. Tu comprends? Et après, je suis allé louer ma première chambre, 5 000, à Sikakao. C'est là où j'ai commencé à gagner les concours. Festival culturel Saxembro, concours musique, jusqu'à ce que j'ai sorti mon album. Quand j'ai sorti mon album, j'ai fait comme toi tu dis là, que si tu as l'argent, tu vas aider ton frère à sortir dans la rue. Dès que j'ai eu l'argent, je suis allé construire la maison familiale. Dès qu'on m'a amené à inviter chacun en Europe, j'ai mis mon grand frère dedans comme danseur. Tac, on est parti. 2002. Je te parle des choses de 2002 quand je pars en Suisse pour la première fois. On m'a invité à chanter à Londres. J'ai mis ma grande soeur dedans comme danseuse alors qu'elle n'a jamais dansé. Elle est entrée. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont les enfants français, qui ont les papiers, qui sont des gens, des messieurs, hein, qu'ils soient reconnaissants ou pas. J'ai fait mon devoir et je suis fier aujourd'hui. Je peux souvent aller au Yapaki, je m'assois avec mon ami Davis Mambolo Sapeur, je dis, apportez-nous deux champagnes là. Comment? Moi aussi. Quand je voyais que les gens boivent le champagne, ils croyaient que c'est le femme là. Oui, ils croyaient que c'est le femme là qui commande. Rien que une boisson coûte 60 000. Mais je reste comme ça, on apporte la boisson avec la lumière. Et quand c'est cher, c'est mieux. Quand elle est moins cher, cher. J'ai dit, Davis, bois le champagne. Bois le champagne. Oui. Hein, mon frère? On a trop souffert. On a trop souffert.
On ne va pas passer le temps à acheter les terrains tous les jours, construire les immeubles. La mort est un voleur. Hein? La mort est un voleur. Mais toi, je ne conseille pas de faire ça. Tu ne dois pas boire. Tu ne dois pas fumer. Hein? Oui. Tu ne dois pas regarder les hommes. Hein? Pour le moment, c'est ta formation. Hein? Après ta formation, ton salon de coiffure. Après ton salon de coiffure. Ma soeur qui a la maison, c'est elle qui a mis dans la coiffure parce qu'elle connaît bien ce métier. C'est elle qui a tout géré. Voilà, je suis content parce que ta voix sort maintenant. Bien. Comme j'ai démystifié ce que tu voulais cacher. Les dames, on va arranger les dames là. Ne t'inquiète pas, on va tout arranger. Moi, quand je fais tout, je fais tout. Je veux t'amener à l'hôpital. On va te faire un bilan de santé d'abord. On va te faire le check-up. Tu comprends? C'est en Afrique qu'on éduque ces gens. En Europe, il n'y a pas de petites personnes. Il n'y a pas de petites personnes. Il n'y a pas de sous-hommes. Hein, le paquet. Bon, nous disons beaucoup, nous disons merci à Tania Maud, qui est à Paris. Elle est à Paris, il faut dire ça. Elle vit en France, elle a vu le direct, elle m'a dit Logue. Voici ce que j'offre à Canada. 6 mois de formation gratuite avec 50 000 pour son taxi et sa ration. Maman, tu es bénie. Salut-moi. Salut les vies, maman. Salut tes collègues. Bientôt tu auras la tenue jaune. Ta tenue jaune. Jaune noir. On va venir te filmer ici. Et tous les gens de Paris, vous devez comprendre que vous soutenez Tadana, vous devez venir ici. Dès que vous êtes au pays, une seule adresse, Tania Maud. Donc vous qui voulez soutenir Tadana, vous êtes au Canada, vous êtes à Londres, vous êtes aux États-Unis, une seule adresse. Chez Tania Maud, c'est ça non? Pendant 6 mois, Tania Maud est là. Si Dieu me donne la vie, on sera là. Si Dieu ne me donne pas la vie, continuez à la soutenir. Hein? C'est ça. Voilà, on reviendra prendre les nouvelles. Quand tu vas commencer ta formation avec ta tenue, je viendrai te filmer, montrer aux gens comment tu as déjà commencé à travailler. C'est ça non? C'est qui madame la directrice, s'il vous plaît? Le directeur. Voilà, elle peut commencer quand, s'il vous plaît. Dès que sa tenue sera opérationnelle, on va passer la commande, on va prendre sa tenue, je la couturière. D'accord. Déjà d'ici demain, pendant cette étude. Et dès que la couturière est terminée, elle commencera. D'accord. Dès que tu as la tenue, parce qu'il faut au moins 2 ou 3 tenues. Oui, d'accord. Avec la tenue de la change. Voilà, merci. Coupable!